Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Legend of Quartermaster. On se retrouve avec notre petite équipe. Et bien on avait plein de travail à faire, hein. Il faut qu'on aille nettoyer 4 sites hostiles. Pour l'instant on en voit 3 qui sont déjà infectés, mais d'ici qu'on y arrive ils se seront sûrement répandus. Faut qu'on fasse gaffe parce qu'il y a quand même moyen d'avoir des infestations par là. Donc la priorité ça va être de s'occuper de cette zone là rapidement si on peut, et après on verra où on en est. Nos personnages sont assez loin. Ici on a Laura et Maria qu'on va envoyer ici. Avec voilà, Grumbleberg qui va arriver trop tard en fait. Ah non, absolument pas. Il faut qu'il vienne. C'est parti. Et ici, ils vont faire ça avec les deux restants. On a un chasseur, donc ça va quand même être relativement jouable. Et même si on a des surprises, on a Pispousse qui va être là pour expliquer leur douleur aux méchants. Ok. Et il y a... des gorgones camouflées de force 7. On va peut-être pas se lancer là-dedans quand même avec juste ces deux-là. On va aller ici. Et ici aussi des gorgones camouflées de force 7. Ok, donc les trucs hostiles doivent plutôt être ça. Donc ici c'est un laboratoire. Ici c'est une raffinerie. Et on a détecté une passe ici. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tout cela en éclaireur. Et après bah, on va aller nettoyer un peu tout le bordel. Hein. Ah, Rival. Alors... Eh ben, c'est une autre zone de Yungering Lands qui a été explorée en sécurité. Ouais, peut-être que la prochaine fois on verra un peu d'action. Ah, je savais que vous sauriez ça, tu dirais ça. Pardon? Qu'est-ce que ça veut dire? Du calme, Laura, on est tous fatigués. Vous deux, vous tapez beaucoup dessus ces derniers temps. Je veux dire que j'en ai marre de que tu sois toujours en train d'essayer de chercher un combat. Combien de fois tu nous as mis en danger parce que tu n'es pas capable de te retenir? Beaucoup trop, si tu me demandes. Dame, ne fais pas attention. Ah oui! Ah oui! Tu as quelque chose à dire à propos de ça? Alors, on peut dire non, je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Ou alors, tu peux parier ton cul que j'ai des choses à dire. Allez, go! Bah, Laura, peut-être que j'ai un tempérament, mais au moins, je ne suis pas inutilement naïve. Quoi? Et qu'est-ce que ça, c'est supposé vouloir dire? Ça veut dire que tu essayes tellement de réparer le monde que tu n'as aucune idée de comment il fonctionne réellement. Au moins, moi, je suis réaliste. Bon, la pauvre Maria derrière, là, qui assiste au truc. Attention, fight! I'm hitting the sack. Ça doit sûrement être une expression que je ne connais pas. Bravo, super, bien joué. Je suis sûr que ça va baisser la tension entre vous deux. Je n'essayais pas de baisser la tension, c'est elle qui l'a mérité. Peut-être, mais il faut être deux pour avoir une rivalité. Parfait. Alors ici on peut construire des trucs, mais on va pas y aller tout de suite, on va aller lancer l'assaut sur la raffinerie. Tous ensemble, c'est parti. Et on va prendre un petit café pendant ce temps-là. Alors... pourquoi est-ce que cette forêt est toujours ici au milieu des plaines? On dirait que c'est étrangement isolé. Alors, Maria qui pense, grum grum grum. Qu'est-ce que je ressens? De la fatigue? De l'ennui? Je me sens froid à l'intérieur. Peut-être que je devrais le dire. Alors, Maria mène la troupe. Et c'est elle qui repère la lumière qui glow, qui brille un peu plus loin. Alors est-ce qu'elle vient juste d'apparaître ou est-ce qu'elle était cachée derrière des arbres?
C'est plutôt calme comme endroit. Je me demande ce qui les a attirés ici, ces bêtes. Pisse pousse avec sa tête de corbeau qui parle, quoi. Peut-être qu'elles apprécient les couleurs de l'été. J'espère que... elles ont amassé une horde ici. De la nourriture, des outils, des choses qu'on pourrait utiliser. Arrêtez de parler, on dirait qu'il y a un feu de camp. Alors, ça pourrait être un voyageur, un homme des forêts, peut-être blessé. Peut-être probablement un tueur. Oh non, 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 c'est un... c'est, ce n'est pas... ce n'est pas un endroit où mettre... cattle... c'est cattle, c'est le bétail, cattle avec un E, je ne sais pas ce que c'est. Excusez-moi. C'est magnifique, je me demande pourquoi c'est... ce n'est pas chaud. Ce n'est pas chaud, ça crame. Je le sens. Moi je le sens. Maria? Est-ce que vous entendez des histoires? Ou est-ce que c'est juste mon esprit qui les entend? Elle se rapproche de la spirale infernale, apparemment sans rien sentir. Mon sang, ma tête est en train de vibrer. Je me souviens d'une petite histoire, une histoire courte pour les enfants. Au tout début du monde, le Sky is back ou no so stiff. Ok, le ciel n'était pas si haut que ça. Elle s'est rapprochée et a vu un magnifique petit écureuil qui était sur le sommet d'un arbre. Maria, tu commences à vraiment beaucoup t'approcher. Du coup, le ciel apparemment a discuté avec l'écureuil. Nanana, comment il regardait, enfin il appréciait de regarder ses étoiles, le vent de l'automne, le confort quand elle lançait ses cheveux nuageux. Ok, très bien. Le jeune ciel l'aimait beaucoup. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'aurait pas aimé beaucoup ? Alors du coup, pendant qu'elle le regardait planter ses forêts et regardait les arbres grandir là où il les avait mis, le ciel s'est pensé l'impressionner en plantant sa propre forêt. Alors, avec un éclair, elle a étendu comme un bras en éclair en fait. Et elle a fait apparaître un arbre rouge vif. C'était un arbre greedy. Il grandissait qu'il consumait la forêt que l'écureuil avait portée. Ok, donc en fait elle a mis le feu à la forêt en pensant planter sa propre forêt. Sympathique. Et avant qu'il n'ait eu le temps de dire un mot, les mots étaient beaucoup trop longs à dire à cette époque-là. Ça a également avalé l'écureuil. Ah, sympathique. Alors, donc le ciel, a fait apparaître de l'eau pour essayer de faire disparaître son arbre de flamme, et la première pluie est tombée. Et depuis, elle fait pleuvoir sur le monde, faisant attention à la puissance qu'il y avait. Brûler la vie de son écureuil infortuné. C'est l'histoire dont je me souviens. Et cet endroit me rappelle un endroit de cette histoire, quelque chose qui a été laissé derrière. Qu'est-ce que ça veut dire? Une histoire de feu. Il ne l'entend pas. Elle se répand dans mon imagination et cet hôtel. Les gens se regrouperaient autour et les diraient. Mais ils sont tous morts maintenant, tous ces gens sont morts. Les flammes seules restent. Maria, reviens, tu devrais être en train de brûler, pourquoi est-ce que tu ne brûles pas? Écoute, je vais le laisser me toucher. Alors, on peut avoir Grumbleberak qui se jette devant pour l'en empêcher. Ou alors, Maria qui touche les flammes. Touche les flammes, Maria.
Non, non, Maria, non, ne fais pas ça. Tout va bien, je vais aller bien. Alors elle est debout dans les flammes qui ne la menacent pas. Et soudain... Yaaaaaah! Alors une soudaine masse de feu entoure le corps de Maria. Maria! Et alors juste au moment où il semblait que les flammes allaient la dévorer, elle retourne dans leur... à leur place et Maria recule de quelques pas et va voir son petit bras de feu. Est-ce que ça va? Non, vraiment ça ne me fait pas mal, c'est juste comme si ça vibrait un petit peu. Et maintenant je me sens super bien, je me sens pleine de flammes. Et soudain un cri s'élève pas très loin. Ah, il y a quelque chose qui est prêt à brûler. On gagne un petit point d'héritage. C'était la dernière qui n'avait pas de transformation, je crois. Hein, ouais. Et par contre, on a tous les ennemis plus un point de vie supplémentaire. Ah. Ouh, putain, puis il y a du monde. Hein. Deux de Fougorgon, un Bartos. Alors, Maria. Voyons voir. Âme de feu. Bras de feu gauche. Lancer un cône de flamme. Plus de bouclier, du coup. Une tête brûlée, ça tombe bien. Je devrais de temps en temps quand même éviter de faire les transformations parce que à un moment ça va finir par mal se passer. Pisse-pousse, tu es là. Hop, vous allez tenir la porte. On va l'ouvrir. Ok, on voit rien. On va envoyer Laura essayer de interfuser un truc pour être sûr qu'il n'y a pas des choses dans les angles. Visiblement non, donc elle va withdraw. On va se préparer devant cette porte. Et dame, tu vas venir jusqu'ici. Voilà. Alors, pisse-pousse. Ouvre la porte. Ok, on révèle une Trugorgon et un Rager. Et un chevreuil. Bim! On va commencer à tabasser un peu son armure. Alors ici, on serait à portée pour un cône de flamme. 27% de chance de toucher, c'est pas fou, mais bon. Faute de mieux. Ah putain, par contre, on a mis le feu à toute la zone. Forcément, bon. Après, c'est pas forcément très grave puisque c'est justement des tireurs. Et qu'il n'y a pas trop de débris. Ah, il y a des débris sous les pieds de Pisse-Pousse. Ça c'est gênant par contre. Ça veut dire que on va devoir interfuser avec cette flamme. Et on va l'envoyer là-bas. Histoire qu'elle se répande pas trop. Ah putain, la flamme s'est quand même répandue. Histoire que Pisse-Pousse recule. Donc il y a l'alarme qui a été levée, hein, donc... maintenant... notre ami ici va devoir reculer. On va pas éteindre le feu, par contre on va se mettre en gardien. Il y a sûrement d'autres saloperies ici, donc on va laisser Maria ici pour l'instant. Hop, en gardien également, des fois que quelque chose essaie de péter la porte. Alors toi... lancer un petit, une petite flamme ici pour toucher les deux, on va le faire. Voilà, une petite prouesse des familles en plus qui redonne une attaque supplémentaire, c'est parfait. Alors par contre du coup on peut pas taper sur elle, donc on va se replier là avec Grumble Burak et
Dame. Ouais, voilà, ils ouvrent la porte sans surprise. Alors, tu peux nous faire un petit cône de flamme. On peut toucher ces deux-là, bon, avec des chances un peu minables, mais c'est pas grave. Bim, ça passe. Et en plus, les flammes se répandent. Parfait. Allez, faut démonter celui-là, parce que lui, il fait très mal aux fesses. Empoisonné, parfait. Normalement, il devrait crever. Ici, un petit discus avec 4 de portée, il y a moyen qu'on le cale là. Ouais, il y a moyen qu'on arrive à caler un petit discus là qui va rebondir éventuellement. Parfait. Et puis bah pisse-pousse, tu continues de garder hein. Ok, ici le raton laveur qui prend cher, lui il prend son dégât de poison, il meurt. Vraiment une bonne équipe quand même, hein. C'est assez ouf. Hein. Comment on les nettoie. Allez, ici on peut se faufiler, mettre un bon gros coup de hache. Malheureusement, on reprend encore le chemin des gorgones là. Ça c'est un peu chiant. Ici on va passer par là. Si je me mets ici, je peux tenter un tir. À mon avis, ça va être bien pourri comme tir. Ah, 70% quand même, c'est pas mal. Retirer en plus. D'accord. Bim. Bah du coup, si c'était bien le dernier, parfait. Du coup, Pisse-Pousse va pas prendre de dégâts supplémentaires. Propre. Alors, on a une épée de duel. Remplacer la Water Sword de Dame Phoenix, ouais. On pourrait remplacer leur, la dague de Maria, mais elle est quand même pas mal la dague hein, pour attaquer. Par contre, on pourrait aussi remplacer la masse là, ça c'est plus intéressant. Plus de précision, plus de chance de coup critique. Par contre, on passe de feuille à basique, mais ça c'est pas hyper grave. Allez, on va filer une épée de duel à Pisse-Pousse. Des épaulières de puissance, c'est pour Maria. Alors, tu peux contrôler cette chose, je pense. Hein, le bras? Oui, je... Maria, je suis désolé si j'ai donne l'impression d'être un petit peu intrusif, mais j'ai l'impression qu'on devrait comprendre. Eh bien, oui, j'ai vraiment entendu quelque chose, ok? Une présence qui était dans l'hôtel, la flamme, ça m'a... parler en moi plutôt que à moi, comme si c'était le cœur de mes ancêtres. Je les ai entendus me raconter les histoires de l'hôtel. Queen of the Summer, the Queen of Humbles, the Sun Thief and the Empire of Ashes. Tout un tas d'histoires, comme celle à propos de... du ciel et de l'arbre de feu. Je les ai entendus, ces gardiens des flammes. Des gens qui ont guidé leur arde et qui ont construit leur lieu, enfin leur lieu de sécurité ici. Donc tu comprends, je devais en faire partie. Je devais répondre à l'appel. Je devais devenir ce que je suis devenu. Tu vois ? Ouais, bah je sais pas trop quoi dire. j'imagine que c'est juste... ok, je vois maintenant à peu près qui tu es. Est-ce qu'elle a peur? J'imagine que c'est un peu bizarre. Un peu bizarre de s'y habituer. Et toi, Grumbleberg, qu'est-ce que tu as des commentaires? Tu fais ce que tu veux faire. J'ai aucun problème avec ça. Tu m'étonnes, le mec, c'est devenu un élémentaire de terre. Hein, pas là pour glander. Alors, on a le Baumgour qui gagne un bonus d'armure. Ok, le gros sac de PV lui, plus l'armure. Bon, un d'armure et un de protection, c'est un peu chiant mais c'est passable.
Bon, on a vu que ça se passait quand même assez bien. Hein. 7 de force, on peut le gérer sans problème. On pourrait se permettre peut-être de laisser Laura là. 70 jours, ouais, même avec le bonus. Même si on est 4, on met 24 jours. On va faire ça pendant qu'on est là. Ça permet quand même de trouver souvent des objets vraiment intéressants, en plus de nous donner des bonus de ressources. Cuir, tissu et fil de magie, parfait. Et une écharpe qui donne de l'esquive. Ah. Pas mal ça. Un petit peu d'esquive pour Laura, tiens. Et après, on va lancer l'assaut ici. Et je pense que ça va commencer à se répandre là. Allez, à l'attaque. On est presque arrivé au laboratoire, n'est-ce pas? Comment est-ce que je le saurais? Ouais, il y a une colline à peu près, enfin relativement élevée, un endroit où on pourrait voir. Allez hop, go, on l'escalade. Wouh, c'était plus compliqué que ce que je pensais. Mais on a quand même une sacrée vue. Il y a quelque chose là-bas. Un œuf, très bien. Une très grosse chose étrange, j'imagine avec une maman encore plus grosse. Laisse-la tranquille, dame. Non, je vais le prendre. 44% de chance pour dame. Non, on va le laisser tranquille cette fois. Là, vous n'êtes qu'un couple de lapins apeurés. La sagesse La sagesse a l'air de la folie quand vous êtes toi, quand tu es toi-même folle. Ça, c'est de la phrase. Alors, il commence à descendre et il était temps. Alors que la mère d'aigle crie pendant un petit moment, mais elle ne les attaque pas. Waouh, elle est massive! Est-ce que il vient vers nous? Hop là! C'était juste. Ok, très bien, c'était vraiment, vraiment très proche. Grumbleberg, tout va bien? Tout va bien, mais. Je me questionne sur les personnes avec lesquelles je le suis. Elle est retournée à son nid. Je vais apprendre à respecter la furie de la mère nature. Il n'y a pas de récompense pour avoir fait le bon choix, mais souviens-toi de ce feeling. Et il y a une plume qui tombe et... Oh, attrape-le, attrape-le! Le talisman plume d'aigle, santé, précision à distance, puissance. Ah bah parfait, bah écoute Dame Phoenix, c'est pour toi. Après tout, tu l'as mérité, t'as réussi à résister à ton envie de prendre l'œuf. Ok, encore pas mal de monde et cette fois, c'est cash. Hein. À mon avis, le Fire Spirit, ah quoique il a pas été très loin, on pourra le choper direct. Alors, est-ce que c'est intéressant? Qu'est-ce que tu as toi comme équipement? La hache à deux mains, c'est déjà un artefact. Toi t'as déjà un truc d'eau. Toi aussi. Toi on pourrait transformer ta hache éventuellement. Pourquoi pas? Toi t'as déjà un arc en feuilles. On pourrait aussi transformer son épée en épée de feu, mais l'épée je pense qu'on va pas l'utiliser beaucoup. Hein. Ça, elle est quand même bien plus pertinente avec sa hache, Pisse-Pousse. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une Gorgone. On a le Balros ici qui va booster un peu, mais qui est un peu protégé. Est-ce qu'on a moyen de flanquer? Si je me mets là avec Pisse-Pousse, Maria pourrait utiliser sa dague. Alors, ce qui serait mieux, c'est que je me mette là. Elle pourrait... attaquer, enfin choper le Fire Spirit, ne serait-ce que pour choper un Legacy. C'est Grumbleberg qui va y aller. Parce que lui, il est bien protégé, mine de rien. Et on prend le point d'héritage. Sois libre, esprit de la nature. Voilà. Et du coup,
commence donc à taper dessus, et en plus quand même un 32% de coup critique, c'est quand même plutôt propre. On va retirer sur celui-là plutôt. Alors dame, il faudrait que tu recules un peu, genre là. Si tu pouvais me débarrasser de ce chevreuil, ça serait plutôt cool, hein, comme ça il arrêterait de se balader partout. Ensuite Pisse-Pousse, tu vas aller tanker. Ok, on révèle un raton laveur, pas de problème. Et on va essayer de se débarrasser de lui. Le petit chemin corrompu des gorgones qui pop. Du coup Maria, si je te mets là, t'as peut-être moyen de caler un cône de flamme. Ah dommage, on peut pas choper les deux. Si, on peut choper les deux en tirant derrière là. Bon. Les dégâts sont minimalistes, hein, c'est vraiment un truc qui fout le feu, mais ça peut quand même être franchement utile. Hein. Et toi? Ah, il a esquivé. Il a esquivé le petit éclair. Dommage. Donc attention, ça va être à eux de jouer. Explosif. Oula. Quelque chose me dit que ça pue du cul, ça. On va regarder un peu ce que ça fait, mais à mon avis... Ok, lui il a reculé un peu, il marche dans les flammes, et il décède. Parfait. Non, par contre, ils sont en train de miner toute la zone, hein, entre les flammes et le chemin corrompu, là. Alors, qu'est-ce qu'il fait de beau, lui? J'aimerais voir... Explosif. Il est interfusionné avec cette unité, il peut la faire exploser. D'accord, donc il est interfusionné, mais... pour l'instant, il n'explose pas. Alors, on pourrait aller ici. Sortir du chemin des gorgones. Les flammes se sont éteintes, c'est plutôt cool. On va défoncer lui. Et là, on va prendre notre petite dague. 100% de chance de toucher, dégâts x2. Voilà, comme ça lui, il n'explose plus maintenant. Toi, ouais, on peut pas vraiment se mettre en protection, puisque malheureusement, il y a du chemin des gorgones partout. Donc c'est pour toi, ma chère Laura. T'es plus caché, donc maintenant on a le bonus. Toi tu pourras tirer là-bas, alors toi est-ce que t'as moyen... Ouais, tu peux faire un petit éclair. Là. Voilà, parfait. Grumble Burak. Il peut se tenter un tir là, 86% de chance, c'est quand même propre. Ok, il essaie de m'attirer avec sa langue, mais du coup, riposte des familles. Aïe, une armure détruite et un riposte. Attends, cette riposte au tir à distance, c'est vraiment badass. Hein. On prend des dégâts, mais c'est notre jauge de vie bonus qui prend, donc c'est pas trop gênant. Non, il ne reste rien, donc allons-y. Ah, esquive. On peut interfuser avec rien de très intéressant. Si je viens ici, je peux interfuser avec ça. Pas mal. Et du coup, je peux faire un petit Spinder Blast, là. Bim! Ouais, faut pas emmerder Laura. Elle aime pas beaucoup lire, mais par contre, quand elle s'énerve... Voilà. Oh, comment on les nettoie. Impressionnant. Va réussir à prendre un niveau de plus. Alors, on a une armure de mystique tier 1. Bah non, on a détruit. Enfin, un tissu, c'est pas fifou. Hein. Plus 1 d'armure et de protection pour le sanglier. Très très bien. C'est la vie. Ok, on va pouvoir sécuriser cette zone. Alors du coup, si je laisse par exemple... Non. Toi et toi... 35 jours et les deux autres, on peut envoyer des trucs, un mirador de chasse, du cuir et du bois ou du bois et du fil de magie, du cuir et du bois. Ouais, c'est pas mal, ça fait quasiment 35. Allez, c'est parti. On va terminer ça. Et on a terminé.
du lingot, du cœur de bois, de la magie, c'est parfait. Et on a trouvé des bracelets qui donnent de l'esquive. Un peu d'esquive pour Maria, je pense que ce serait pas mal quand même maintenant qu'elle a plus de bouclier. On a quoi pour l'instant comme ressources à la fin, 18 lingots, 28 cœurs de bois, du cuir, ah, c'est le cuir qui nous manque. Hein. Donc ça va aider ce qu'on fabrique ici. Alors pour l'instant ça a l'air de s'être trop répandu la zone infectée. On va les envoyer scouter ici. Eux ils ont terminé. Alors plutôt du coup on va envoyer, pas vous, mais tac tac tac, ces trois là scouter ici vu que c'est dangereux. Et vous de là. C'est pas le groupe idéal hein, parce qu'ici clairement c'est Pispousse qui devrait être dans le groupe de deux. Alors, le raton laveur, dégâts de queue pointue. Sa queue pointue inflige dégâts aux ennemis à proximité. Non. Et lui, vaisseau de corruption, il répond de la corruption lorsqu'il est tué. Non. Non, si on peut éviter ça, franchement. Ça fera pas de mal. Hein. Ils sont déjà bien assez vénères comme ça, merci bien. Ici, c'est devenu infecté. Non, c'est déjà infecté. Alors, la journée est plutôt calme. La mission la mission de découverte n'a rien montré de dangereux. Alors, ayant un peu distancé ses compagnons, Dame s'assoit pour se reposer. Est-ce qu'elle dort? Est-ce qu'elle rêve? Est-ce que c'est une vision? Ou est-ce qu'une tortue est vraiment venue lui parler? Ok. Alors, elle a déjà vu quelque part les motifs sur sa carapace. Bien sûr que tu les as déjà vus. Ces motifs sont partout. Dans le vent, dans les étoiles, dans la mer, dans la tempête, dans le feu et dans Fern, probablement la nature. On a toujours été ici. Nous ? On est... Attends, comment dire ? On tient la terre et le ciel et la tempête et on protège tout ça. Tu devrais comprendre ça, tu protèges les autres toi aussi. Tu es l'une de nous. Est-ce que tu peux le sentir? Est-ce que c'est la suite de son truc des shards bizarres là? Alors on peut lui dire désolé tortue mais ce n'est pas pour moi, ou on peut lui dire mais oui, c'est comme ça que je peux protéger le territoire. Bah oui, vas-y, protège. Est-ce que tu es sûr que je suis celui que tu veux, enfin celle que tu veux en l'occurrence? Les choix que tu as faits pendant toute ta vie t'ont amené à cet endroit. Tu n'es pas née gardienne, mais tu es devenue une gardienne petit à petit, jour après jour. Tu mérites de rejoindre ceux dont je parle, est-ce que tu acceptes? Oui, je l'accepte. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Pendant que tu es en vie, rien. Continue comme tu l'étais. Après ta mort, on discutera de ça plus à fond. est-ce que je deviendrai une tortue? La forme précise est ouverte aux négociations. Qu'est-ce que c'est que cette effante? C'est presque comme si ça fait penser au fait que les gardiens sont... tout autour dans le monde, partout, n'est-ce pas? Bon courage dame, nous nous reparlerons un jour. Hé hey, dame, tu fais une petite sieste? Non hein, je... est-ce que tu as vu Ah c'est un pendentif de tortue, c'est vachement sympathique, est-ce que tu viens juste de le trouver? Non, c'est une longue histoire. Peut-être qu'un jour je t'en parlerai. Ah non, mais elle a perdu sa plume d'aigle pour l'échange d'un talisman de tortue. Ah, la tristesse. Blocage 15. Ah, c'est triste. Ah, franchement, j'hésite, quoi. Ça fait peut-être un event cool après, mais le talisman de plume d'aigle, il est vraiment bien aussi. Non, bah tant pis, on va le remplacer, hein. Tant pis.
La plume d'aigle, on a 10 noms à l'event, donc ça fera rien de plus, là peut-être qu'on aura un peu plus. Et on a la tortue ici sur la zone. Mais du coup, on va s'arrêter là pour cet épisode. Il a suffisamment duré, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.